Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue pour l'épisode 5 sur notre incroyable aventure sur Detroit Become Human. Dans les épisodes précédents, on était un petit peu en galère avec Marcus, dans la décharge, tout ça, et on avait aussi essayé de sympathiser avec le lieutenant Anderson Hank, je crois, enfin je sais plus trop comment il s'appelle, avec l'androïde Connor, le RK-800. Et là, je pense qu'on va directement partir avec Kara, on va voir ce qui se passe, let's go! Les salises se reposer ou quelque chose d'autre. Très bien. Désolée, je voulais pas te réveiller. C'était pas un cauchemar alors? Non. Non, c'était pas un cauchemar. Alors, prendre un bain, une faim fatiguée. Prendre un bain. Que dirais-tu d'un bon bain chaud? Et après, on pourrait sortir et te trouver quelque chose à manger. Qu'est-ce que t'en dis? Ok. Je vais te faire couler un bain. Allez, on va se laver le cul. Parce que ça fait un moment qu'on ne l'a pas fait. Hop. Ah ouais, d'accord. Merde, 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 merde. On va se couper les cheveux pour se rendre plus discrète, entre guillemets, pour changer un petit peu notre tête, pour pas qu'on nous reconnaisse. Ce qui est logique, je sens que ça va partir en couille avec Kara dans très peu de temps. Pah, stylé. Ok, oula. Accès aux options de la X400, sélectionnez la nouvelle couleur de cheveux. Excellent! Alors, blond, blanc, noir ou terminé? Blanc. Blanc. Allez, style blanc. Pas trop style. Ok, je t'ai... Non, c'est bien. Attends. Blond, c'est... Non, noir. Noir, on va voir, noir. Brun, blond, blanc. Allez, blanc, moi, j'ai décidé. Je suis quelqu'un d'original. Directement, on met blanc. Ça nous vieillit un petit peu, ils nous reconnaîtront pas. On est très bien comme ça. Retirer. Ah, merde. Ah, ça y est. Alors là, tous les androïdes qu'on joue, quasiment tous, sauf Connor, vont retirer leur puce. Je pense que c'est ce qui les empêche d'avoir des obligations. Enfin, du coup... S'ils les ont plus, ils ont plus d'obligations, ils ont un petit peu cassé la barrière. Je pense que c'est ça, hein. C'est pour ça qu'ils l'enlèvent tous, parce que de toute façon, ils sont tous dans la merde. Donc, ils vont pouvoir prendre leur propre décision. Et ça, ça ne peut que être bénéfique pour nous. Un beau tableau. Allez, va te laver le cul. Merci. T'as vraiment l'air d'une humaine maintenant. Et ouais, vu que j'ai plus ma petite truc sur le côté, j'ai changé de coupe et tout. Laisse tomber, on me reconnaîtra plus. Donc, on est prêt. Allez. On est parti, moi je vais lire un petit magazine en attendant. Detroit Today, cyberanimaux. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a des animaux, tout ça. Aux États-Unis, l'espérance de vie passe à 91 ans, 0,4 population mondiale détient 94% des richesses. Ça, ça a pas changé, j'ai envie de te dire. Ouverture du premier zoo androïde. Mon dieu, que c'est nul à chier. Je ne veux pas vivre là-bas. Canada! Le Canada prolonge l'interdiction des androïdes sur son territoire. Ah, eux, ils ont toujours été... ils écoutent la populace, j'ai envie de dire, hein, la populace humaine. Une qualité d'air et un accueil exceptionnel. Bien sûr, un jour j'habiterai là-bas, j'espère. Bref, bref, ok. Donc elle, se lave le cul, on va pas aller la déranger. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, nous, en attendant?
Bah pas grand chose, j'ai envie de te dire. Ah, on va faire un petit coup de R2. Alors, là on a juste lire ça, ok. Attendre, quoi? Il y avait marqué quoi? Attendre Alice, très bien. Il doit bien y avoir des choses à faire. Genre faire le lit, truc comme ça, non? Ah, on va mater la télé tranquillement. D'accord. Sous l'océan. Ah, le marathon de Boston, j'imagine. Vu que je vois Boston. Merci, Michael. Je suis en compagnie de Todd Williams, un résident de Corktown qui a été brutalement attaqué par son AX-400 hier soir à 23h. Todd, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé? Menteur! T'es un menteur! En train de dîner tranquillement dans mon coin. C'est un menteur. Cette saleté a bondi sur moi. Menteur, t'es un menteur. J'ai réussi à me défendre, mais elle a pété un câble. J'ai cru qu'elle allait me tuer. Alors je l'ai poussé, mais elle s'est enfuie. Merci, Todd. Un peu partout, les propriétaires d'androïdes s'inquiètent. La police s'est lancée à la recherche de l'unité suspecte, pourvu qu'ils la retrouvent vite. C'est pas vrai! Il leur ment! C'est lui qui voulait nous faire du mal! Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a nulle part où aller. Et la police nous recherche maintenant. Impossible de rester, famille, contact de l'androïde. Quoi? Famille, ça veut dire quoi famille? On va pas retourner là-bas. Contact de l'androïde, qu'est-ce que ça pourrait être ça? Ah, genre si j'ai des contacts avec d'autres personnes qui pourraient nous héberger, c'est ça? Impossible de rester, ça c'est sûr. Bon, on va dire ça, impossible de rester. On peut pas rester ici, on n'a pas d'argent. Ok, contact, je vais essayer contact parce que famille, je sais pas ce que... Où ça peut nous amener, je pense pas dans des délires sympas. Contact de l'androïde. L'androïde d'hier, il m'a donné une adresse. Il a dit qu'on trouverait de l'aide là-bas. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Alors, touchante, déterminée, réconfortante, encourageante. Encourageante, il faut encourager dans ces moments-là. C'est nous contre le monde, Alice. Rien que nous deux. On doit apprendre à se faire confiance. Je n'ai que toi. Et toi, tu n'as que moi. Et je vais tout faire pour te rendre à nouveau heureuse. Fini de te préparer. Je vais aller te chercher quelque chose à manger et ensuite on partira. Ok, alors, apporter le petit déjeuner à Alice. Ça veut dire qu'il faut que je sorte? Je t'avoue que c'est mauvais délire, mais on va devoir le faire. Hein. Lieutenant Anderson, police de Détroit. On est à la recherche d'un androïde qui a commis un vol dans un magasin du coin la nuit dernière. Vous avez vu quelque chose? Un androïde? Non, j'accepte pas les androïdes. Avez-vous vu quelqu'un qui ressemble à ceci? Merde. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Elle est arrivée hier soir. Elle était habillée normale, vous savez. J'aurais jamais pu deviner... Elle est encore là? Ouais, sans doute. Chambre 28. Merci. Suivez-la. Fouiller la chambre du motel 28. Ça y est, on est dans Connor. Oh, les histoires commencent à se rapprocher. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup ça. Par contre, c'est la merde pour Kara. Et ça, je le savais en prenant le motel. Hein. Je savais que c'était pas discret, donc on allait se faire opérer direct. Tu m'attends dans la caisse. Rationnel, diplomate direct. Diplomate. Je crois qu'il vaut mieux que je vienne avec vous. Écoute, tes leçons de morale, j'en ai ma claque. T'es une machine, alors tu fermes ta gueule et tu fais ce que je te dis. Tout ce que je veux, c'est accomplir ma mission. Je suis désolé si ça vous dérange. Tu veux qu'elle se termine ta mission? Alors arrête de me casser les burnes. Mais quoi que je lui dise, de toute façon, il serait énervé, Hank. Mais ce qui est bien, c'est que je suis direct, il râle un peu et puis après il accepte. Donc je disais, ouais, c'est la merde pour Kara, je sais pas comment elle va s'en sortir, mais à mon avis, on va avoir un petit ping-pong, si je peux me permettre l'expression, entre Kara et Connor, là. Ça peut être sympa.
un moment je vais prendre Kara pour essayer de m'échapper, un autre moment je vais prendre Connor pour essayer de la rattraper. J'espère que ça va se passer comme ça, ça pourrait être cool. Atteindre la gare, ok. Éviter la police. Ah bah oui, c'est un petit peu logique. Se cacher, bah directement on va se cacher hein. Niveau de danger 68%. Niveau de danger 30%. Maintenir R2 pour voir les menaces et la destination. Donc il y a une menace à gauche, 33%, très bien. Et la destination, on doit aller où? 129 mètres à droite, bah ça tombe bien. On va pas aller à gauche. 5, 40. Aïe 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 aïe. Allez, 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 allez. Je regarde son niveau à lui là. 40 toujours. Bon, plus on va s'écarter, plus son niveau va baisser. 93 mètres. Il n'y en a pas d'autres, hein, il n'y en a pas d'autres. Attendez, je vérifie. Hein. Là, c'est Shod Knight. Il n'y a pas un flic à la gauche là? Non, ok. Faut qu'on atteigne la gare. Hein. Ah oui, il faut que je prenne. Le passage piéton. Je savais que c'était un flic, ça. Niveau de danger, 0. On va pas aller trop vite, on va rester derrière lui. Non, 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 non. Avance, 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 avance. 92%. Oh putain, heureusement que j'ai vu qu'il fallait se cacher. 99. Ouh, c'était chaud. Ok. 56%, 56%. Avant de traverser, regardons ce qu'il y a. Ok, on peut traverser en paix, 76%, on va devoir traverser très rapidement. Il y a des flics un petit peu partout là. D'accord, il y en a un là-bas. Ok, et il y a un truc ici là à droite. Elle en prendre, ouais, directement on va prendre un parapluie. Merde, j'ai fait quoi là? Vite, lance l'alerte. Par où est-elle partie? Par là. Elle se dirige vers la gare. Merde! Ah, ça y est, je suis avec Connor, faut que je la rattrape. J'avais dit le ping-pong, tout ça. Allez, vas-y. Mais arrête de... Qu'est-ce que tu branles? Qu'est-ce qui branle? Cours! Cours, Connor! Non, cours pas trop vite, j'ai pas envie que Kara se fasse attraper. Cours pas trop vite. Elles sont là! Ah non, 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 non. Non, non, tu sais quoi, j'y vais même pas. Non, non, j'y vais même pas, j'y vais même pas. Connor, voilà, là je peux y aller maintenant qu'elles sont passées. Ne tirez pas, il nous la faut vivante. Oh putain, traverser? Y a pas autre chose à faire? Bah, je vais devoir y aller. Aïe 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 aïe. What? Wouh! Ah, the! Oh, aïe aïe aïe. Wouh! Aïe aïe aïe. Ah non! Oh putain. Hey, où tu vas comme ça? Je ne peux pas les laisser s'enfuir. Elles arriveront jamais à traverser. Je ne veux pas prendre ce risque. Hey, arrête! Tu vas te faire buter. À un moment donné, y aller. Oh, j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'action, j'ai envie d'action. Let's go! Ah, j'ai envie d'action. Wouh! Bon, par contre, je fais un peu de la merde pour Kara. Ah, je risque de tuer un de mes personnages, je suis vraiment trop de teubé! Wouh! Ah, ron, ron! Oh putain! Oh, j'ai fait trop d'erreurs, j'ai fait trop d'erreurs. Pourtant, je le fais des fois, mais ça fonctionne pas. Ya! Oh, trop de pression! Allez, 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 allez! Oh non, je vais tuer un de mes persos! Quel con, j'aurais pas dû y aller!
Faut pas que j'en tue un, faut pas que j'en tue un. Mauvais délire, se battre sur l'autoroute, tout ça, mauvais délire. Ok. Ça va aller ? Pas traqué, ok, d'accord. Cours, Kara, cours! Il y avait vachement de choses à faire, hein. Oh, il y aurait eu vachement zoomé, dézoomé. Regardez. Pas ici déjà. Ah oui, donc là, ça dépendait de la. De là où on avait dormi finalement. Donc moi, j'ai choisi le motel. Et finalement, est-ce que ça se rejoignait? Ouais, ça se rejoignait à un moment. À Connor poursuit Kara. Dans tous les cas, on aurait été dans la merde. Ok. Bon, bah, finalement, nous, on a eu la fin. Kara et Alice ont atteint l'autre côté. C'était un peu chaud, j'avais peur de buter un de mes deux personnages, là, parce que, quand il meurt, quoi. Donc, j'ai vraiment pas envie de les tuer. On va continuer, let's go. D'après plusieurs sources, CyberLife aurait fourni à la police de Détroit un prototype d'android détective. Les androïdes assistants policiers... D'accord, donc c'est ça que je dois trouver. Ok. Chercher le graffiti. Ah, d'accord, c'est un graphe, très bien. S'ils ont enlevé leur petite puce là, c'est pas seulement pour faire leur propre décision. Moi, je pensais que c'était ça, mais c'était aussi pour paraître plus humain. Parce qu'avec ça, c'est cramé direct. Voilà, je suis peut-être parti un peu loin en disant qu'ils allaient prendre leur propre décision, tout ça. Je pense que c'est juste pour paraître plus humain. Alors, trouver le graffiti. À quoi il ressemble déjà? Ok, un mec tranquille, on dirait qu'il porte un casque pour écouter de la musique. Alors, c'est là, c'est pas très dur à trouver. Alors, symbole. Indice mis à jour. Trouver ce graffiti. Attends. Parce qu'il me dit L2 graffiti suivant, donc. Alors je crois que c'est. Ouais, c'est une tête de lion avec à gauche. Je vois pas trop ce que c'est. Je comprends pas trop ce que c'est, mais on va chercher la tête de lion. C'est plus orange, hein, c'est pas dans les goûts rouges, tout ça. C'est plus un truc orange, donc on va se balader. Là on a quelque chose. Là-bas on a déjà trouvé. Je vais regarder ce qu'il y a sur le banc. Ah, c'est un magazine. Qu'est-ce qu'il dit le magazine? Ah, il parle de Kara. Un androïde en fuite, une machine dysfonctionnelle cause la panique à Camden. D'accord, ouais, il parle de Kara, tout ça. Les habitants de la banlieue résidentielle de Camden à Détroit ont assisté à une course-poursuite palpitante aujourd'hui après que des barrages routiers et des dizaines de contrôles ont permis à la police d'identifier un criminel en fuite. Une chasse à l'homme très spéciale puisque le suspect est un androïde. Très bien. Ok, donc, ouais, l'opinion publique niveau des androïdes, elle a encore chuté. C'est une mauvaise nouvelle. Ça va vraiment partir en galère. Android only. Et je ne suis plus un androïde, voyez. Ah, voilà. Je pense qu'il est là, le graffiti. Ouais, je le vois, la tête de lion, tout ça. Tiens, on va parler, vite fait. Alors, attends, je voudrais te parler, mademoiselle qui attend le bus. Tu sais où se trouve Jericho?
Ok. J'ai l'impression que quand ils sont dans l'arrêt de bus, ils savent plus parler du tout, quoi. Alors, attendez. Ah, symbole à trouver. Alors, le lion. Non. Symbole. Là. Utilisez le joystick droit. Utilisez le joystick droit pour trouver le symbole suivant. C'est ce que j'essaye de faire, mon ami. C'est ce que j'essaye de faire. Il y en a un à gauche, donc logiquement, il y en aurait un à droite. Peut-être derrière la poubelle? Si je me cale comme ça, là. Ah non, il me remet directement au milieu. Ah là! Je suis con, je suis débile. Depuis tout à l'heure, je passe à côté. Ok, donc ça, ça a l'air d'être un coin de rue, déjà, ça c'est sûr. Est-ce qu'on a d'autres choses à faire ici? Trouver le graffiti, tac, tac. Ok, donc, c'est un bâtiment rouge à côté d'un grillage avec des petits barbelés au-dessus. Et le symbole, il est dans la partie rouge. Ok, donc, bâtiment rouge, jaune, tout ça. Donc, un coin de rue, je dirais peut-être... à côté d'un grillage. Ok, on va traverser. Casse-toi! Ah, là! En face, je le vois. Ok. Attendons que le feu passe au vert. Y'a rien d'autre à faire en attendant? Non! Bon, écoute, vous avancez pas, j'en ai rien à branler. Voilà, c'est vert, c'est vert. Le taxi, tu m'écrases pas. Voilà. Du coup, c'est là. Il est là, le symbole. Ah, y'en a deux à trouver, ok. Ok, et le deuxième... Là. Ok, derrière un grillage. Alors derrière un grillage, il y a un robot. Il y a un robot avec le symbole au-dessus. Derrière un grillage, sur un espèce de bâtiment blanc. Un grillage. Là-bas, il y a un grillage. Est-ce que c'est ça? Je ne sais point. Là, il y a un grillage aussi. Ah, c'est là! Eh, non! Trois indices à trouver ici. Ok, le premier est présent ici. Le deuxième est présent ici. Donc je sais pas à quoi il va nous... Enfin, il va nous mener à Jéricho, j'imagine, ce symbole. Vu que le mec a dit « Trouve Jéricho, il nous sauvera » ou je sais plus exactement ce qu'il a dit. Et le troisième symbole, je le trouve point. 1, 2. Les pieds, non. Au-dessus de la tête, tout ça. Soit je suis aveugle. Là-bas? Non. Ah là! Il est là! Il est derrière la... Je le vois, il est là! Non? Je peux pas l'utiliser. Il est derrière la planche. Passer dessous. Ah! On va virer la planche. Ah! Un, deux et trois. Indice mis à jour. Alors, une tête avec le truc. Ok. On va continuer par le chemin. Hein. Je pense qu'en fait, tous ces graffitis nous mènent vers un chemin pour pouvoir trouver ce fameux Jéricho, du coup. Donc on va continuer. Ah, elle est là, la tête. Ok. Hop, l'indice, il est là. Je pense qu'on va devoir grimper, hein. On va devoir grimper parce qu'à mon avis, les restes d'un symbole sont sur l'autre partie du tag qui sont au-dessus. Trouver un moyen d'accéder au toit. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, il y a la petite... Ouais, on va utiliser ça. On peut pas le pousser. Ah. Ah ! Déplacer. Ah, désolé.
Désolé pour le petit coup dans le micro, c'est parce qu'il faut utiliser les mouvements de la manette et des fois, eh ben, je ne fais pas attention. Alors, le deuxième symbole est présent et enfin le dernier, où se trouve-t-il? Où se trouve-t-il? Nous ne le saurons jamais. S'il faut bien le savoir. Attends. Soit c'est moi qui ai mal regardé, je vais quand même revérifier. On en a que deux là, on est d'accord. Là j'en vois pas d'autres. Perso, je n'en vois pas d'autres. Ah! What? 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 Ah, il est là! Oh putain, je l'ai pas vu quoi. Ok. Parkle, il est à côté de Parkle, ok. Donc un bâtiment rouge avec marqué quelque chose. On va continuer sur notre chemin. C'est la piste qui nous mènera au bonheur. Allez, prévisualiser, qu'est-ce qui va se passer? J'utilisais le joystick de droite pour sélectionner un trajet. Donc soit comme ça, qui a l'air un petit peu dangereux. Et de toute façon, je crois qu'on a que celui-là, hein, si je dis pas trop de conneries. Oui! Ah! Ce serait trop instable. Revenez en arrière avec L2 pour essayer un nouveau trajet. C'est bien ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc on a celui-là. Ah, voilà, je savais qu'il y en avait d'autres. Boum, 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 boum. Boum. Oh là là, Assassin's Creed, mon pote. Ding. Exécuté. Chut. Ce. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est chaud, ce Marcus. Ah ouais. T'es médecin et t'es cascadeur. Parce que, ouais, on m'a dit dans les commentaires qu'il jouait dans Grey's Anatomy. Donc c'est un médecin et un cascadeur, quoi. Le mec sait tout faire. Descendre. Attends. On a rien à faire ici. On a rien à faire ici. Là, je peux descendre. Sparkle City. Voilà, c'est ici qu'il est le truc. Alors, on en a un là. C'est un petit peu le plus facile à trouver. Très bien. Deuxième ici. Et enfin, le troisième ici. Ok, c'est un bâtiment abandonné, donc j'imagine qu'il faut rentrer dedans parce que le tag a l'air d'être à l'intérieur. Alors, visualiser, on peut passer par là. Voyons voir ce que ça donne. Ok, ça ne serait pas assez solide. Ok, très bien. Putain, ça c'est bien. Hein. Faudrait avoir la même chose pour les humains pour voir avant de faire des conneries. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là. Et après, là. Oh là là, mais ce mec, oh, un génie. Allez, continue. Ce serait trop haut. Ah. Est-ce que c'est pas à partir de là qu'il faudrait que je vérifie quelque chose d'autre? Ah là. Hop. Ok, 100% de réussite, exécuté, let's go. Pa. Tranquille quoi, tranquille. Alors. Donc à mon avis, il est sur la gauche directement. Je le savais, j'avais repéré le trou dans le mur. Et tu vas pas te foutre de ma gueule, le graffiti. Il est là, mon pote, trouver le graffiti. Oh, il est là, le graffiti. Non, c'est pas lui. Mais si, c'est lui. Mais qu'est-ce qu'il me fait, là? On est d'accord que c'est lui. WTF. Oh, c'est lui, là. Ah. Il est là, Jericho. Non, c'est pas lui. Bonsoir. Non, t'as rien à me dire, toi, tu dois être décédé. Ok. Ah, enfin, j'ai trouvé, ok. Indice mis à jour.
Là, c'est plus un graffiti, mon pote. Hein. Là, c'est juste ici, c'est plus un graffiti. Ok. Ah putain, ça me saoule quand il faut maintenir et que c'est pas indiqué. Hop, hop. Et hop. Ok. Donc en fait, à chaque fois qu'on trouve des graffitis, on trouve un symbole qui nous donne accès à un autre graffiti qui nous fait avancer vers un endroit pour, à mon avis, trouver Jericho. Voilà, on voit Jericho marqué. Alors, symbole trouvé, atteindre le bateau. Le bateau. Bim, boum, boum. Donc, on a trouvé tous les graffitis, tous les symboles qui nous ont menés vers ici, vers un bateau où il y a marqué Jericho. On va peut-être trouver... Ah ! M'a fait flipper encore. Ouais, bah, il est tout cassé, le pont. Hein. Je pense que le bateau, on va l'atteindre d'une manière différente. Je vois un truc là-bas. Ouais, je vois quelque chose là-bas. Ici, on peut rien faire. Ce... Allez, tu sautes. On n'a pas le choix, faut qu'on monte les escaliers. On va essayer de trouver un autre moyen de monter sur le bateau Jericho. Qu'est-ce qu'on va trouver sur ce bateau? Parce qu'à ce qui paraît, la réponse est là-bas. La réponse à quoi, je ne sais pas, mais à mon avis, on va faire une rencontre surprenante. Allez, grimpe, mon pote, grimpe. C'est une petite échelle qui va te faire peur. Et voilà la deuxième, le deuxième moyen d'aller sur Jericho. Je pensais que c'était une personne, absolument pas, c'est un bateau. Que c'est beau. Une piscine! Sautez! Ok, bah bienvenue dans le bateau Jericho. Qu'est-ce qu'on fout là-dedans? On verra bien. En tout cas, ça inspire absolument pas confiance. Explorer le bateau. Ah, il y avait un truc en dessous. Trouver un moyen de voir. De voir quoi? Examiner. Prendre. Ah, une petite lampe torche, ça fait jamais de mal. Hein. J'ai envie de te dire, dans des endroits sombres comme ça. Ok. Ah, ça, ça fait plaisir. Marcus, il est là en ce moment, il est dans des endroits, il est passé d'une maison magnifique à des endroits hyper chelous, le pauvre. En un claquement de doigts, quoi. Ouvrir. Alors, attends, avant de prendre des décisions, mon pote. Ouais, je vais ouvrir, ouais. Ouais. Ok, c'est impossible. On va continuer. Ouais, le pauvre. Il a fait la décharge, les bateaux abandonnés. Qu'est-ce que ça sera la prochaine étape? Je ne sais point. Lui, c'est le seul pour l'instant qui fait sa vie de son côté. On a vu Connor et Kara qui sont retrouvés, entre guillemets. Et lui, il fait sa vie, donc on va voir ce qu'il va trouver. On ne peut rien faire ici non plus, tout est fermé. Je pense qu'il y a un chemin à suivre. Je vais quand même essayer d'ouvrir toutes les portes que je peux. Très bien, celle-là non plus. On sait jamais. Regardez, comment ça, regardez. Attends, regardez. Regardez ! Voilà. Poussez. Ah, voilà. Là, je suis d'accord. Par contre, il y a des bruits extrêmement chelous, mon pote. Il y a des bruits extrêmement chelous. RA9, mon pote. Ah, mais toi, tu connais pas ce que c'est RA9. Ah, on va peut-être connaître... On va peut-être savoir quelque chose sur RA9, du coup. Je peux pas sortir d'ici. Ouh là là, je suis perdu.
Ah, dans les chiottes, non? Ici. Ouais, donc Marcus n'a pas l'existence d'Era 9, hein. Alors que Connor, grâce à l'interrogatoire, il connaît un petit peu ce que c'est. On sait toujours pas ce que c'est exactement. Mais on en a entendu parler avec Connor. Et là, on le voit. Donc, est-ce qu'on sera... Ah, ah putain. Oh, le con. Eh, je suis pas venu ici pour jouer à un jeu d'horreur, hein. Oh là là. Oh, le screamer. Enfin, moi, ça m'a fait flipper. Peut-être que vous, vous rigolerez, mais moi, ça m'a fait flipper de ouf. Oh non, 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 non. Oh non. Bon bah on va le suivre, hein. Oh putain, j'ai mal au cœur. J'ai peur en ce moment là. Ouvrir. Moi dès que je vois une porte, je l'ouvre, hein. C'est un tic, c'est comme ça. Bah, celle-là, je pense qu'elle s'ouvre, sinon on est dans la merde. Ok. Très très bien. Eh bien on va descendre. Petit coup de R2, c'est toujours très important de faire ça avant d'explorer quelque chose. Pour l'instant on n'a rien. C'est très lugubre. Ok, donc la caméra elle a décidé de rester comme ça. Qu'est-ce que je te dis? J'aime pas ces bruits. Merde. Et Marcus, en ce moment, tu fais des choix très très compliqués. Hein. Bienvenue à Jéricho. Ok. Bon bah voilà, on a... Bon là, il n'y avait pas beaucoup de choix à faire, j'ai envie de te dire. Il n'y avait pas... Enfin ouais, il fallait suivre plus ou moins la ligne. Là, il y avait peut-être un petit truc, deux petits trucs à trouver différents, quoi. Mais sinon, fallait juste suivre la mission, quoi. Mais bon, on est arrivé dans le bateau Jéricho, que le mec dans la décharge nous avait dit « Va Jéricho, mon pote, à ce qui paraît, grosse soirée de ouf. » Donc on y a été. Et ben on a rencontré d'autres androïdes, dont un blond qui me dit quelque chose, hein, lui. Mais bon, on verra ce qu'ils vont nous dire dans le prochain épisode, les gars. Si vous avez kiffé celui-là, vous savez quoi faire. Petit commentaire, petit like, j'aime pas dire ça parce que je trouve que c'est quémandé pour rien. Mais bref, voilà, sur ce, prenez soin de vous, les potes. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, les gars.